tu as arrêté? Je ne comprends pas. Tu veux dire que tu n'es pas intéressé à moi? Je ne comprends rien. Quelle est mon offense? Non, mais qu'est-ce que tu veux raconter? Tu as commis beaucoup d'offenses. Et ne viens pas ici avec l'air comme si je ne sais pas quelles sont tes erreurs. Tes offenses sont nombreuses. Premièrement, tu sais, toi et moi savons très bien que toi et moi ne sommes pas compatibles. Je ne vais pas t'épouser. Sachant très bien que tu es vraiment irrespectueuse. Et je m'étais déjà décidé que je n'épouserai jamais une femme qui n'est pas loyale, encore moins obéissante à moi. Et maintenant, regarde-toi, je ne vais pas t'épouser, tu as compris? Callistus, je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne te saisis pas. Qu'est-ce que tu ne saisis pas ou qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Arrête de faire comme si... Non, ne t'approche pas de moi. Amara Chinese, je vais te donner un coup sur les dents si tu ne comprends pas. Regarde-toi, pourquoi est-ce que tu ne comprends rien? Zitachi, non, dis-moi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai été vraiment clair à ce sujet, toi tu ne seras jamais ma femme. Toute femme qui se décide de me donner des choses ou des conditions est une personne avec qui je ne passerai jamais le reste de ma vie. Et je m'étais déjà dit, moi, un homme au grand complet, un homme né d'une femme, élevé par un père et une mère, un fils né, grandi et propriétaire de ses terres et des prochaines terres, parce que j'en aurai encore plusieurs à part celle-ci. Tu as les culots de me dire. Tu veux que j'accorde du temps et tu me donnes plusieurs conditions. Et c'est comme ça que tu veux faire les choses. Je m'étais déjà décidé. Que je ne prendrai jamais en mariage une femme qui n'est pas loyale, humble et prête à l'amour. Et toi, tu es très problématique. Et moi, je n'épouserai aucune femme problématique dans ma vie. Ah. Ça ne va pas marcher. Oui, il faut très bien essuyer tes lampes parce que tu vois la poussière va vraiment infecter tes yeux. Essuie vite. Ah. Suis-je en train de rêver? Callistus, essaies-tu de dire que tu as brisé avec moi? Tu es folle. Qu'est-ce qui te prend? Dans tout ce que j'ai commencé à te raconter depuis, tu ne t'es pas convaincue. Où te crois-tu être? Écoute, laisse-moi te dire. Rompre maintenant n'est rien d'autre qu'une déclaration. Je l'avais déjà fait depuis très longtemps. Callistus. Quels sont ces dents que tu n'aimes pas pour que je les descende? Callistus. Qu'en est-il de notre enfant? Je romps avec toi, pas l'enfant. Je suis en train de rompre avec toi et pas l'enfant. Donc, l'enfant et moi savons que je prendrai très bien soin de lui. Tous les jours et à tout moment. Mais toi, je romps avec toi. Callistus, arrête. Cheta, que je défende les choses, tu ne comprends pas. Cheta, approche-toi quand tu verras. Viens. Callistus. Callistus. Ah non, ce n'est pas vrai. Non, Callistus, Callistus, arrête. Non, ne fais pas ça, Callistus. Qu'est-ce qui arrivera à notre enfant, Callistus? Moi, prendre une fille comme toi en mariage, je suis fou ou quoi? Au lieu d'aller épouser une femme comme toi, vaut mieux que je reste célibataire pour le reste de ma vie. Je veux l'écrire. Insensé. Mais c'est qui ça encore? Allô? Allô? Bébé du cœur. Chérie, mon amour. S'il te plaît, j'ai un problème très très important à discuter avec toi. Ne t'en fais pas, chérie, tu sais quoi? Tout ce que tu me demanderas, je le ferai. S'il te plaît, n'oublie pas. Ne t'en fais pas, je te dirai où est-ce qu'on va se rencontrer. Patiente un peu. Hein? Callistus, tu as vraiment le courage de me larguer. Tu as brisé mon cœur sans remords, Callistus. Tu veux que notre fille grandisse sans son père à ses côtés. Comment tu peux faire ça à ta propre fille, Callistus? Callistus, ne me fais pas ça, s'il te plaît.
Je jure devant Dieu. Je jure devant Dieu que je rendrai ta vie misérable et celle de cette fille que tu as épousée. Callistus, tu regretteras de m'avoir trahi. Callistus, tu regretteras de m'avoir dupé comme une vaurienne. Tu en paieras. Callistus, tu en paieras le prix. Je me témoin. Pina 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 ouan, eyo, eyo, eyo. Pina 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 ouan, eyo, eyo, eyo. Pina 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 ouan, eyo, eyo, eyo. Pina pina ouan, eyo, eyo. Dis-moi, c'est quoi le problème? Je ne sais pas pourquoi tu as cette tête. Et pourquoi est-ce que tu peux avoir cette humeur? Hein? C'est quoi le problème? Je ne sais pas pourquoi tu es devenu sourde, Miouette. Et parle-moi, je vais t'écouter. Callistus. Avec la tête que tu donnes là, si je mettais juste un rythme, attends, tu vas voir. Kouka, kaka, kouka, kouka, kaka, kouka. Callistus, c'est un problème sérieux. Mais vas-y, parle-moi. Laisse-moi te dire une chose. Cette personne qui s'est tenue devant toi, je peux faire face à tout ou tout type de problème. À quel est mon kounkété? Tout type d'onkolokonawan. Je suis vraiment capable de gérer ça. D'ailleurs, je suis plus fort que ça. Alors parle-moi, je t'écoute. Non, mais parle-moi. Hein? Callistus. Hein? Je suis enceinte. Attends, je n'ai pas bien écouté. Attends. Non, mais. Attends. Laisse-moi comprendre que ce ne soit pas comme une fiction. Hein? Tu as dit que tu es enceinte, mais c'est... Tu sais, dans ce pays, la manière dont nous vivons, tout le monde est enceinte. Je suis même enceinte telle que je suis ici. Parce que regarde la conjoncture de ce pays. Donc fais-moi comprendre, en fait. Tu as dit que tu as un bébé là? Callistus. Hein? Comprends juste que je suis enceinte. Ok, je suis Callistus. Je suis contente de te voir. Hein? Non, mais dis-moi. Mais... Sois clair, je suis enceinte. Listus, je suis enceinte, non? Donc tu as un bébé là? Ah! Egrégé Tchoukou. Egrégé Tchoukou sera maintenant un père et tout ça, vraiment. Je suis très très heureux que maintenant tel que je suis là, dans très peu de temps, je serai père. Hey! Attends. Cela veut dire que tu prendras soin de moi pendant ma grossesse et mon enfant. Donc je suis fou. En fait, alors qui va prendre cette responsabilité? Je vais prendre en charge toute cette responsabilité. En fait, je prendrai toute sa nourriture en charge. Je te prendrai toi en charge. Je prendrai. Ah, attention, hein. Chai. Ah, arrête ça. C'est vrai. Quelqu'un peut te voir ici. C'est bien. On ne doit pas se toucher. Ok. Alors, quand est-ce qu'on va se voir encore? Maintenant, vraiment. Ne blague pas. Je serai maintenant père. Et je ne vais pas blaguer avec ça. Allons-y. En fait, on y est déjà. Allô, bon papa, bonjour. Mon nom c'est Callistus. En fait, je suis l'homme qui est responsable de la grossesse de votre fille. Et je suis venu ça. Juste pour régulariser. Ok, alors je vais me confondre avec votre père. Et là, je vais me confondre avec votre mère, je dirais. Allô, bonjour maman. Je suis responsable. Allons-y, non. Maintenant. S'il te plaît, laisse-moi passer. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-moi passer. Ebere, pourquoi tu es si méchante? Pourquoi tu es sans cœur et maligne? D'où viennent toutes ces bêtises? Qui te l'a raconté? Mon ami, arrête de faire semblant. Ferme ta gueule, arrête de faire semblant. Dis-moi, qui dans ce village ne sait pas que Callistus est mon homme? Dis-moi, qui dans ce village ne sait pas que...
moi et Callistus. Sortons ensemble. Mm-hmm. Oh mon Dieu. Ebere, Ebere, ne commence pas les combats que tu ne sauras finir. Mm. Ne commence pas. Mm-hmm. Une petite correction. Callistus était ton homme. Maintenant, il est mien. Et d'ailleurs, je suis enceinte de lui. Écoute, Callistus est un homme adorable. Si tu étais une très bonne femme, comme tu l'as dit, tu n'allais pas abandonner un homme adorable comme Callistus. Je te conseille de l'oublier parce qu'il m'appartient actuellement. Ok, alors, écarte-toi. Écarte-toi! Hey! Cheta, tu n'as encore rien vu. Cheta, tu n'as encore rien vu. Regardez-moi cette sera que j'ai à peine de naître. Cette béret que j'ai vue et j'ai portée quand sa maman l'allaitait. Cette petite fille qui se lavait à peine dans la rue toute nue. Elle ose employer la grammaire pour s'adresser à moi. Callistus était ton homme hier et non plus aujourd'hui. Et béret, je vais le régler avec toi. Tu ne me connais pas, je te jure. Je vais en finir avec toi. T'inquiète, tu vas t'offrir cette grande bouche pour me parler. Tu emploies la grammaire pour m'intimider. Hein? On verra bien. Tu essaies de me dire que cette fille t'a agressé après que mon fils puisse me confirmer qu'il n'a rien à voir avec cette fille? Maman, bon après-midi. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cet après-midi? Qu'est-ce qui se passe? Maman, je n'arrive à rien comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne l'as-tu pas vu pleurer? Non, moi, même si je ne la vois pas pleurer, est-ce que je n'ai pas d'oreille pour écouter? Et je suis en train de la voir en train de... Tu me demandes encore cette question pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu m'avais menti. T'es menti. Tu m'avais menti. En me disant qu'il n'y avait rien entre toi et cette bonne Ariane, qui a une très sale caractère. Maman, regarde ta façon d'appréhender ces problèmes. Comme si tu étais un client public. Comme si il y avait quelqu'un qui t'avait soulevé pour aller annoncer ça. Moi, voir quelle fille. Moi. Cette fille bonne Ariane. Maman, je ne vois plus cette fille. Je te l'ai dit depuis longtemps. D'ailleurs, qui t'a dit que je continue toujours à la voir? Moi, Mickey, j'ai arrêté de fréquenter cette fille il y a très longtemps. Mais elle vient de me dire que cette pauvre fille l'a confrontée. Elle t'a agressé? Ou c'est toi qui l'as fait? En fait, je ne comprends rien. Elle m'avait stoppé sur la route. Elle m'a demandé de rester loin de lui, sinon elle va me tuer. Elle t'a confronté et t'a demandé de rester loin de moi, sinon elle va te tuer. Mais cette fille, tu lui as même pas dit? Ne lui as-tu pas dit que tu es immortel? Ou qu'aucune femme née d'un homme ou d'une femme ne peut te tuer? Tu lui as pas dit ça? Écoute, laisse-moi te dire, Ebi, il y a certaines choses pour lesquelles tu n'es pas supposé te déranger. Parce que je t'avais déjà expliqué ma relation avec cette fille. Et je ne l'ai pas fait. Cette fille est vraiment... En fait, je ne sais même pas comment la décrire. Cette fille, c'est vraiment une manipulatrice. Et cette fille n'est pas quelqu'un à qui tu peux parler. Ok, regarde maintenant ce qu'elle a fait. Elle est en train de dresser ma fille contre moi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, laisse-moi te dire. La chose que je veux t'assurer est que... Aucun homme né d'une femme ne peut te séparer de moi. Parce que tel qu'on est là ensemble, j'étais bien collé avec toi et moi sommes vraiment collés. Il n'y a personne qui peut essayer de te séparer de moi parce qu'on est bien collés. Est-ce que tu comprends? Alors apaise-toi. Maman? Quand il y a quoi? Excuse-moi. Bébé, j'arrive. Okay. Ne pars pas chez cette fille. Ne va pas voir cette diablesse. Callistus, tu peux m'apporter quelque chose quand tu reviendras. Est-ce qu'elle même a une tête? Elle est normale, elle? Hein? N'oublie pas, oh. C'est bon, fille. Viens, papa. Tu as entendu ce qu'il a dit? Qu'il n'a plus de relation avec cette fille. Hein? Cette sorcière. Je ne sais pas ce qui se passe chez cette fille. Hein? Arrête de pleurer, ça va. Si elle quitte la vie de mon fils, nous allons vivre en paix. Oui. Il y a Totachi! 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 Ah ah! Totachi! Mon amour, qu'est-ce que tu as créé mon nom ce matin? Tu n'es pas normal, tu es folle! Tu es Bomboro Saga! Tu n'es pas normal, tu es folle! Tu es Bomboro Saga! Écoute-moi, je suis venu t'avertir! Totachi, aujourd'hui, que ce soit ta première et dernière fois, que tu puisses confronter ma femme et lui raconter des bêtises!
N'ose plus jamais le faire dans ta vie, hein? Ignagna. Attends un peu. C'est donc à cause de cette fille que tu es venu ici en train de crier comme un chien enragé? À cause de cette stupide... Sotachi, quand je remets ma tête de cette façon, c'est pour ressortir de la bombe. À chaque fois que je remets ma tête de cette façon, et ce qui ressort, ça ressort avec de la bombe. Écoute, laisse-moi te dire un truc. Sache qu'à cause de cet acte que tu viens de poser, tu ne poseras plus jamais tes yeux sur ton enfant. Tu dis? Tu ne verras plus jamais ton enfant. Regarde, je savais que c'est à ça que tu allais en venir, oh. Naya. Je savais que tu allais utiliser ma fille pour me faire chanter. Et ça, c'est un chantage de basse classe. Laisse-moi te dire, la fois où tu recommencerais encore avec tes bêtises, je vais vraiment t'empiter. Je vais vraiment te couper le bras. Et je vais te jeter en forêt. Les vautours vont te dévorer. Et comme je rentre, je suis sérieux. N'ose plus jamais le reprendre. Aujourd'hui est pour moi le dernier jour pour venir t'avertir. Hé! Hey! Hein? Calice, tu vas le regretter. Je te promets que tu vas le regretter. Et donc, on l'aime, Eloko. Vraiment, Eloko. Tu veux voir ça que je bouge mon pied comme ça? C'est pour te détruire. On est montré, voilà. Beaucoup d'aimer comme ça. Je suis prêt pour toi, approche. Oh, tu as fui? Ok. On verra. Tu vas les regretter, Calistus. Tu vas les regretter. C'est à cause de cette fille que tu oses venir m'engueuler. Un homme que j'aime de tout mon cœur. Il me rejette pour une autre fille. La vie, le monde est méchant. Quelle tristesse. S'il te plaît, quitte devant moi. Pourquoi tu me bloques les passages, hein? Es-tu folle? Tu as vraiment le courage de parler. Tu oses parler, hein? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Dégage de ma vue! Insensé. Ah! Tu n'importe quoi. Sorcière. Maman, s'il te plaît, laisse-moi te demander. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé partir au marché? Pendant que je connais sa condition, je sais très bien que bientôt là, elle va m'accoucher. Tu n'as pas vu comment est-ce qu'elle est lourde. Et tu lui as permis d'aller au marché. Ne suis-je pas une femme? Oui, mais tu n'es pas enceinte. Hein? Est-ce que tu es enceinte? Je sais ce qui est bon pour ma belle-fille. Hein? T'inquiète pas, rien ne va lui arriver. Elle a besoin de faire quelques exercices pour que le bébé descende. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, tu vois ce que je disais?
Maman, tu as vu ce qui se passe? Ne la laisse plus jamais aller au marché seule. Et tu veux qu'elle perde sa grossesse? Pour du moment, tu sais qu'elle va très bientôt accoucher. Ma chérie, s'il te plaît, viens, assieds-toi. Prends place. Aïe, s'il te plaît. Désolé, désolé, oh. Ma fille chérie, désolé. Ça va aller. Désolé. Maman, je vais mourir. Et c'est moi ton mari. Quand tu racontes des tels problèmes comme ça, il faut me regarder. Est-ce que c'est maman? Écoute, t'as d'abord ton procès. Regarde-moi d'abord. Ne suis pas celui qui est responsable de sa grossesse. C'est toi qui l'as repoussé. Oh, je suis désolé, chérie. Et tu vois ce qui s'est passé, maman? Elle m'a poussé. Hein? Et quoi ça? Elle m'a poussé, je t'ai tombé. Elle t'a bousculé? Hey! Elle t'a bousculé encore? Non. Quand est-ce que ça m'a fait tomber? Mais est-ce que ça? Est-ce que ça a endommagé le bébé? Attends, d'abord, ça va bien se passer, d'accord? Elle t'a poussé pour elle? Alors, laisse-moi te dire. Elle est en tes conditions maintenant. On ne peut pas parler de cette fille-là. Est-ce que je comprends? Alors, allons-y, comme ça, tu vas aller te reposer. C'est bon, fille. Doucement, alors, tu veux me tuer? Tu veux, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que le bébé a dit. Alors, d'accord, lève-toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Lève-toi. Maman, j'ai rien. Désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce que ça vient? Désolé. Hein? Je suis vraiment fatiguée. C'est quoi? Je sais pas ce que pourquoi je perds. Est-ce que tu fais ça? Hein? Calé tout ça, allons-y, non? Désolé. Hein? Maman, donne-moi cet objet-là, non? Maman, donne-les-moi. Maman, tu donne-les-moi, s'il te plaît, maman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, désolé. Viens, s'il te plaît. Tinekebe, c'est quoi le problème avec cette fille, Chika? Seigneur, mais qu'allons-nous faire avec cette fille? Pourquoi a-t-elle poussé une femme enceinte? Maman, viens d'abord, maman. Je suis en train de me demander. Pourquoi cette fille a-t-elle agi de cette façon? Maman, ce n'est pas le temps de pouvoir parler toutes ces choses, maman. En fait, viens d'abord, maman. Viens d'abord, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît, maman. Viens. Regarde ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, elle veut mettre le monde. Maman. Mona propose à nos coins. Irobano Kelengio. Arusiri de Rebiaco. O Kirikirikesa Abunadie. Kirikirikesa Kodo Godo. Macanadie Luosi. Prends ça. Prends. Mets-toi sur ça au moment où elle est prête de donner naissance. Elle va s'évanouir et mourir avec son bébé. Tu es un amour, Baba. Dis-moi, comment veux-tu que je le paye? Tu le veux en nature? Tu sais ce que tu dois faire, non? Rencontre-moi ce soir. Chez moi à la maison. Tu n'as pas à t'inquiéter, chérie Ezema. Tu sais, tu es mon bébé. Je te promets de t'amener au 7e ciel. Je suis impatient. Ezema, tout mon corps est à toi. C'est à toi. T'inquiète. Je suis tout à toi. Ok. Mets ça dedans. Je t'attends le soir chez moi à la maison. Avance, ma fille, doucement, ça va aller. Ça va aller. Kali? Calistus! Mais où es-tu passé avec la moto? Doucement, ma fille, respire, allez, respire. Fais comme ça. C'est bon. Je suis là. C'est bon. Je suis arrivé. Je suis là. Calistus, mais où est ta moto? Tu dis?
Où est ta moto? Non, ça non, se moi, croit. J'allais chercher ces rocades là, mais et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Et ça, c'est d'ailleurs mieux que la moto. Nous n'avons pas besoin d'aller très rapidement, maman. S'il te plaît, s'il te plaît, viens ici. Où sont ma fille? La charrette. Oui. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'espace. Avec cette charrette, nous n'avons pas besoin de parler d'une panne sèche. Avec ceci, nous n'avons pas besoin, plus besoin de panne. Avec cette charrette, on n'aura pas à payer le billet. Désolé. Désolé, désolé. Désolé. Ça va aller. Désolé. Écris pas, doucement. Ça va aller, doucement, ma fille. Désolé. Callistus, que cette fille n'accouche pas dans cette chose. Qu'elle n'accouche pas dans cette chose. Je t'ai dit la vérité, qu'elle n'accouche pas. Regarde ce que tu as amené à la place et prends sur la moto. Maman, fais vite, maman, suis-nous. Elle ne va pas accoucher ici, maman, ne t'en fais pas. Rapidement, rapidement. Oui, maman, je suis là, oh, juste maman. Derrière vous. J'arrive. Hé hey, oh. Hey. Maman, Galé,
Galéo. Fais vite. Appelle le docteur, vite. Et chérie, pipi, pipi non. Bébé, hein? De l'eau froide ou chaude? Hein? C'est froid? L'eau froide ou chaude? Mère! Tu vas mourir. Mais... j'en ai fini avec toi. Tu peux aller te reposer en paix. Maman, ça, ce sont des pleurs, des larmes de joie. Je suis sûr que ma femme a accouché. Hein? Tu sais, avec ces larmes ici, je suis impatient. Je suis excité de voir mon hein? Et ces larmes signifient que c'est un garçon. C'est vraiment ce que c'est un garçon. Hein? Avec ces larmes ici, mon esprit me dit que c'est un garçon. Ce qui signifie que je suis le père d'un fils. Maman, ça, vraiment, ce sont des larmes de joie, maman. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me diriges là? Ta femme est morte. Maman, je pense que c'est une aventure. Moi, j'avais amené une femme ici qui était vivante. Ma femme était venue ici pour accoucher. Elle n'était pas morte. Ma femme n'est pas, non. Je n'ai pas amené une femme morte ici. Elle n'est pas encore morte. Je n'ai pas amené une femme morte. J'ai amené une femme vivante qui était venue juste pour accoucher. Elle est morte en essayant d'accoucher. Elle est morte. L'enfant est en vie. La maman n'est plus. Elle est morte. Oh, ma fille chérie a grandi. Ah, Adana. Vas-y, donne. Vas-y, fais le bien. Hein? Maman, désolée, je n'ai pas mangé depuis hier. Je vais manger avec vous. Maman, désolée, j'ai faim. Je n'ai pas mangé depuis hier. Je vais manger avec vous. Mais tu me laves ces assiettes. Regarde-toi. Une simple vaisselle. Tu es incapable de le faire. Tu ne sais même pas nettoyer. Est-ce que tu as bien nettoyé ici? Regarde comment c'est sale. Est-ce que c'est bien fait? Tu cherches à manger. Tu cherches de quoi manger, hein? Ose de laisser ces assiettes. Tu verras ce que je te ferai. Allez, mange toi aussi. Hein? Donnez-moi la nourriture. Mes yeux me font mal. Oh, maman. Elle dérange ma paix. Pourquoi n'est pas la fouetter? Comme ça, elle va se taire. Elle dérange ta paix, hein? Oh.
Tu as faim, hein? T'as pas mangé depuis hier, c'est ça, non? Viens. Viens. Chérie, qu'allons-nous encore faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire concernant ces problèmes. Je pense que j'en ai marre de tout ceci. Ah, chérie, non. Ne dis pas ça. Comment peux-tu dire ça? Nous devons garder notre espoir. Le Dieu que nous servions ne dort ni ne sommeille. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, chérie, est-ce que tu peux aller à l'intérieur et m'apporter de l'eau à boire? Ok. C'est Cheta? Chetachi? Encore elle? Oui, maman. Bon après-midi, maman. Tu es déjà de retour? Oui. Qu'en est-il de ta femme? Elle est à l'intérieur. Maman, bon après-midi. Bien, mais si c'est la cuisine. Ok, maman, c'est bon. Mais c'est un endroit où ça ne va pas tomber. Hein? Ok. Garde-le bien, je le récupère plus tard. Ok? Mais dis-moi, quelles sont les nouvelles? Où sont les résultats? Maman, tu as vu les résultats du laboratoire. À partir du test, ces résultats démontrent que
Ma femme et moi, nous pouvons donner naissance. Nous sommes fertiles. Nous pouvons donner naissance à beaucoup d'enfants. Allez, arrête! Comment es-tu sûr? Hein? On peut avoir beaucoup de bébés, on peut avoir des enfants. Il y a une chose qui me dit toujours que ta femme, Choma, est stérile. Oui. Cette fille de la ville n'a pas de trompe. La plupart d'entre elles ont fait beaucoup d'avortements et leurs trompes sont déjà endommagées. Hein? Maman. Je fais de mon mieux pour que tu te maries au village. Mais tu as refusé. Va où en sommes-nous aujourd'hui? Regarde ce qui se passe ici. Maman, je peux conclure que tu as vraiment un autre problème. Tu as les résultats du laboratoire. Tu n'en fais pas confiance. C'est quoi exactement ton problème? Pourquoi tu aimes ma femme beaucoup comme ça? Allez, sois intelligent. Qui parle de la haine ici? Je parle de petits-enfants. J'ai besoin de le porter. Écoute, je veux que tu te donnes une chance. Essaie avec une autre femme. Je sais de quoi je parle. Tente avec une autre femme. Tu verras l'expérience. Tu sais quoi, maman? Tu ne peux pas m'efforcer à faire ce qui est impossible pour moi. Je n'ai pas le temps pour ceci. Ebuka, reviens ici. Reviens ici. Mais qu'est-ce qu'il devient, mon fils? Je parle de petits-enfants. Lui me parle des résultats des labos, je ne sais d'où. Reviens ici. Ebuka. Ebuka. Kitachi, pourquoi as-tu toujours voulu rendre la vie de cette petite fille misérable? Elle ne t'a rien fait de mal. Qu'a-t-elle fait? Maman, elle n'a donc rien fait, hein? Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi tu dois toujours la défendre? Pourquoi tu dois toujours prendre sa part? Laisse-moi te dire, tu ferais mieux d'arrêter de la maltraiter. Hey. Une fois qu'elle devient incontrôlable, rassure-toi de ne pas te plaindre. Pourquoi es-tu méchante? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour toi d'accepter cette pauvre fille comme si elle était la tienne? Jamais de ma vie. Je ne le ferai jamais. Je ne peux jamais la considérer comme ma fille. As-tu oublié? As-tu déjà oublié comment sa stupide mère a ravi mon homme? Qu'est-ce que tu dis dans ça? As-tu oublié? Elle n'a qu'à aller en enfer. Je te demande, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle est morte à cause de sa méchanceté. Son enfant... Ah! Tu es malade. Tu es une folle. Tu me bats pourquoi? Tais-toi, idiote. Pourquoi tu me bats? Comment peux-tu me parler de la sorte? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici, hein? N'est-ce pas que c'est ta mère? Ma mère? N'est-ce pas que c'est elle? Ma mère, qu'est-ce qui s'est passé, ma mère, hein? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille est folle. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Démonte ta femme. Maman, je te demande qu'est-ce qui s'est passé. Tu me demandes d'acheter ma femme. Tu essaies de nous tirer. Maman, je vais presser ta serre. Tu essaies de nous tirer. Maman, je vais te faire. Maman, dis-moi pourquoi tu as frappé ma femme. Maman, dis-moi, reste ici. Je vais te frapper. Qu'est-ce que tu as fait, maman? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai encore ce que je vais t'arriver. Maman, comment je te demande qu'est-ce que tu as fait, maman? Je te demande si tu veux que tu calises. Laisse-moi tranquille. Hein? Maman, dis-moi, est-ce que ton mari t'est frappé comme ça? Demande à ta femme. Maman, respecte-toi. Attends, les chauds. Tu veux frapper ta mère à cause de cette chose inutile? Maman, tu sais que ma femme est inutile. Lâche-moi. Lâche-moi frapper sans raison, Calistus. Maman, à cause de cette fille inutile. Maman, tu as l'audace de frapper ma femme. Maman, est-ce que ton mari t'est frappé comme ça? Maman, c'est comme ça que tu veux traiter ma femme? Mon mère ne peut pas, Dieu va venir à notre aide. Hey, tu es une fille adorable. Tu es vraiment un enfant gentil. J'aurais souhaité que ta mère puisse être en vie pour voir comment tu es en train de souffrir. Oh mon Dieu. Oh, t'inquiète pas, ok? Tu ne vas pas mourir. Dieu ne les permettra pas. Tu ne mourras pas. La souffrance ne va pas te tuer. Oh, Dieu, où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Tu ne vois pas comment cette petite fille est en train de souffrir. Oh,
Seigneur, où es-tu? Cette fille est en train de traverser beaucoup de choses. Oh, pitié. Oh, ma vie, tu ne vas pas mourir. Dieu va veiller sur toi. Il sera toujours là pour toi. Oh, mon Dieu. J'en ai marre. Je suis sincèrement fatiguée. Ta mère me déteste énormément. Qu'est-ce que je lui ai fait? Suis-je Dieu qui donne des enfants? Est-ce que je suis Dieu? Toutefois, les médecins ont dit que nous sommes très bien. On peut avoir autant d'enfants que nous désirons. Où est le mal? Ta mère ne veut pas comprendre. Je suis fatiguée. Chérie, je sens que tu es sincèrement touchée. Vraiment, je sens cette profonde douleur dans ton cœur. Écoute, je sais que ma mère t'aimait mal à l'aise. Mais je veux à ce que tu comprennes que ma mère est une bonne femme. Le problème est que elle est vraiment désespérée pour avoir ses enfants. Alors elle doit nous encourager. Elle doit prier pour nous et non chercher des conflits. Ça ne nous aidera pas. Je suis vraiment désolé de ses comportements. Mais je te promets que je vais lui parler. Cette fois-ci, je vais me rassurer que je vais lui faire comprendre. Ok? D'accord. Je t'aime beaucoup, chérie. Je t'aime aussi. Et il n'y aura rien qui pourra nous séparer. J'ai confiance en toi. Jeune fille, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Sauve mon enfant. Sauve mon enfant. Sauve mon enfant. Sauve mon enfant. Kaïma, tu joues avec tes téléphones? Hein? Prends ceci, va briser de l'eau. Grand-mère, pourquoi je me stresse avec de travaux durs? Je n'épuise pas de l'eau. Es-tu folle? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Hein? Si tu ne m'épuises pas de l'eau, Kaïma, je vais t'enseigner une leçon que tu ne seras pas prête d'oublier, idiote. Essaye, tu verras, je le dirai à ma maman. Pourquoi ne pas envoyer celle-là? Hein? Que j'essaie pour voir. Timo, que j'essaie pour voir. T'inquiète pas, je vais essayer. Je vais essayer aujourd'hui. Si tu ne puisses pas de l'eau, tu verras ce que je ferai, idiote. Idiote, tu m'as demandé d'essayer. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je vais voir ce que ta mère fera aujourd'hui. Allez, allez, on y va. Va prendre, va briser de l'eau. Laisse-moi, j'arrive. Elle doit briser de l'eau. Avance, prends-moi ça. Calme-toi. Cette fille est devenue très têtue. Je dois lui donner les leçons. Calme. Fais vite. Va me briser de l'eau. Vite. Calme-toi, ma chérie. Ça va aller. Calme-toi. Il n'y a rien.
Elle exagère. Il faut bien quelqu'un pour la corriger. Mais qu'est-ce que c'est? Va appeler ta mère, je t'attends. Qu'est-ce que c'est? Cette fille devient de plus en plus têtue. Mon enfant. Sauve mon enfant. Sauve mon enfant. Kita, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Je crois qu'on avait fini avec toi la fois passée. Alors, je ne parviens pas à comprendre pourquoi tu viens toujours me chercher. Je suis enceinte. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que tu m'as entendu. Je suis enceinte. Je porte un enfant. Tu me fais croire que le bâtard que tu portes dans ton sein est à moi. Quoi? Tu la fermes vite. Est-ce que tu te rends compte que tu couchais avec beaucoup d'hommes? Disparais de ma maison. Quoi? Je dis, sors vite de chez moi. Sors vite de chez moi. Je ne veux pas te voir prostituée. Une fille inutile. Sors de chez moi. Sors. Tu peux imaginer? Elle dit que je l'ai rendue grosse. Comment? Ose mettre encore tes jambes ici. Je vais te les fracturer. Une fille stupide. Pourquoi de telles bêtises? Oh Jésus, sauve-moi. Maman, es-tu sûre que Izo n'y va m'aimer? Ah, ah. Pourquoi tu peux dire ça? Il va t'aimer énormément. Je te jure. Tourne un peu. Regarde-toi. La fille chaude. Tu as des courbes partout. Quelle maman. Taille proportionnelle. Tu es jolie, je t'assure. Il va t'aimer. Sandra, tu es chaude. Merci, maman. Tu es très mignonne. Merci, maman. Il va beaucoup t'aimer. On doit mettre dehors cette stérile des femmes. Écoute, le mariage de mon fils est en train d'être brisé. Il faut qu'on trouve cette stérile de femme qui est incapable de me donner des petits-enfants. Mais Sandra, je le sais et je l'ai vu de mes propres yeux. Ta famille est très très fertile. Vous avez des jumeaux. Des triplés, des quadruples. C'est ça. Et j'ai cette conviction que tu donneras à mon fils des jumeaux, même des triplés. Peu importe ce qu'il voudra, même 10, 100, j'en suis capable, je le ferai. Maman de maman, je ne suis pas stérile, je te dis la vérité. Tu connais très bien ma famille, non? Ne t'inquiète pas, je suis féconde. La famille la plus bénie de ce village. Attends, j'appelle mon fils, ok? Ok, maman. Ok, sois maman. À l'aise, hein? J'arrive. Merci, maman. Ebuka. Ebuka.
Allez, viens, je vais te présenter quelqu'un. Viens. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Viens d'abord ici, sors. Salut. Bonjour, beau garçon. Qui est-elle, maman? Ah, ah. C'est quelle question, ça? Ebuka, as-tu besoin d'un voyant pour comprendre? Hein? Ou un féticheur pour qu'il te dise que c'est ta femme en devenir? Mon fils, admire la beauté. Rien à discuter. Sa matrice est encore chaude. C'est intact. Sa famille est bénie en termes de maternité. Prends place. Prends le temps de parler avec elle, s'il te plaît. Hein? J'ai hâte de porter mes petits-enfants au Ebuka, mon fils. Saisis-moi l'opportunité avec cette je beauté. Je t'ai écouté, maman. J'arrive. Tu es trop beau. Est-ce que tu es de ce village? Bien sûr, juste de ce village. Mais ton habillement m'étonne. Un instant. Cela veut dire que tu ne sais pas ce qui est bien pour toi. Donc, à ton âge, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, n'est-ce pas? Bien sûr, ce qui est bon pour moi. Voilà pourquoi je suis ici. Tu sais quoi? Sors de chez moi. Je ne sortirai pas. Je ne sortirai pas. C'est pas facile de trouver un mari. Hein? Ça, c'est une opportunité pour moi. Je ne peux pas l'abandonner cette fois-ci. Hein? Arrête de faire semblant comme si tu ne voulais pas de moi. Si c'est les enfants que tu veux, je suis féconde. Même si tu en veux 100, 20, peu importe les nombres, je suis féconde. Tu peux même tester si tu veux. Je peux voir que tu es mentalement dérangé. Sors de chez moi! Le mariage. Oh, tu veux m'épouser? Ok, d'accord. Hey! Maman! Sors maman, vite de chez moi! Maman! 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 Combien de fois t'ai-je appelé? Combien de fois t'ai-je appelé? Pourquoi tu aimes ma fille autant? Pourquoi tu le hais avec passion? N'est-elle pas ta petite fille aussi? Hein, maman? Écoute, Chetachi, je n'accepterai pas que tu manques du respect dans cette maison. Je ne déteste pas ma petite fille. Je l'aime beaucoup, mais je n'accepterai pas qu'elle devienne impolie. Tu es en train de gâter cet enfant. Maman, pourquoi tu es ma grand-mère? Pourquoi tu me traites comme une ex? Oh. Ma petite chérie, tu es ma petite fille. Je suis ta grand-mère. Je ne te hais pas. Je ne suis pas une mauvaise personne. Mais la manière dont ta mère est en train de t'élever est très mauvaise. Je t'aime beaucoup. Tu es une menteuse. Tu ne m'aimes pas. Tu me détestes. Et je t'aime pas. J'ai peur de toi. Tu as entendu? Maman, tu as entendu? Tu as entendu? Tu vois, laisse-moi t'avertir. La prochaine fois que tu oseras poser tes sales doigts encore sur ma fille, je vais me rassurer que tu sois renvoyée dans le monde. Dans le monde de mort, où il y a ton mari. Ose encore la prochaine fois. Ose la prochaine fois, cette maison ne va plus nous contenir toutes les deux. On verra tu bien avec trompes. Toi. Viens, on part, ma fille. Même si je n'arrive pas à me défendre, j'utiliserai mes dents pour te mordre. Je t'arracherai les lèvres. Regarde comment tu es en train d'indiquer ma petite fille. Tu es en train d'abîmer cette fille. Grand-mère, ne pleure pas beaucoup. Dieu viendra à notre aide. Hey. Callistus. Callistus. Qui es-tu et qui fais-tu sur mon lit conjugal? Es-tu sourde? Je suis supposée appeler ça une question ou quoi? Comme tu peux voir, je suis la femme d'Ebuka. Tu voulais le savoir. Je me répète,
Je suis la femme de Bouka. La femme qui est capable de lui donner. Non, non. Qui t'a encouragé de monter sur mon lit conjugal? Es-tu folle? Qui t'a encouragé, dis-moi? Tu sais quoi? Tu n'as qu'à dégager d'ici maintenant. Mathieu Giflet. Et je le ferai encore si je mets beaucoup de bruit. Hey! Es-tu stupide? Hey! Moi? Regarde-moi cette chose. As-tu perdu ta tête, hein? Maman! Hey! Sors de ma chambre! J'en ai marre de moi! Maman! C'est pas de quoi! Chérie! Maman, monsieur! Maman! Elle m'a vraiment giflé! Vraiment! Moi! Le monde ne cessera de nous étonner. As-tu vu ce que moi j'ai vu? Je l'ai vu, ma soeur, et je t'ai resté sans voix. Hey, tonton Callistus, il a toujours été un homme responsable. Jusqu'à ce qu'il perde sa chère épouse. Il a complètement changé. Il est devenu un ivrogne. Ma soeur, ces derniers temps, elle se comporte mal avec notre grand frère. Sûrement, c'est pour cette raison qu'il est devenu un ivrogne. Tu as raison. Tu vois cette fille qu'on appelle Cheta? Je ne l'ai jamais aimée. Elle a un très mauvais caractère. Elle avait toujours l'habitude de sortir avec beaucoup d'hommes pendant qu'elle était célibataire. Es-tu vraiment sûre qu'elle a arrêté de voir d'autres hommes parce qu'elle est mariée? C'est très probable. Tu sais, cette fille, c'est une sournoise. Elle est vraiment impossible. C'est ça. Tu dis le pargne. Ma chère, c'est ça, la c'est vie. Bon, je crois qu'on se verra plus tard. Je crois que je dois m'en aller. On se verra peut-être demain si tout va bien. Au revoir. Au revoir. Bye. Non. Asia winyoya bang bang bang. Paso kasonye wasenya mugonja ngingingu. C'est quoi ton problème? Je t'avais dit, tu pleures. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Une fille comme toi t'a giflé et tu pleures. J'ai confiance en ma femme. Elle ne tolère aucune bêtise. Si tu oses, elle te frappe. Si tu joues avec elle à la prochaine fois, elle va te couper franchement en morceaux. Une fille inutile. Bêtise. C'est tout ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu veux que je dise, maman? Ne sois pas surprise que c'est ma femme qui lui a donné cette leçon. J'ai l'impression que tu deviens fou. Oui. Bébé, ça va? Tu la soutiens, hein? Elle va me battre. Je ne suis pas surprise. C'est ça veut dire que tu as épousé un être du même sexe que toi. La seule chose qu'elle sait faire, c'est de se battre et de mordre les gens. Hein? Ma fille, désolée. Hein? Écoute, maman, je ne manque aucune faculté qui me rapproche d'un fou. Je ne suis pas fou. Peut-être que tu n'as pas encore réalisé. Sache qu'elle a perdu tout le respect qu'il avait pour toi. Je crois que tu as une courte mémoire, maman, parce que tu as déjà oublié tous les sacrifices qu'elle a fait pour toi. Tu veux la maltraiter tout simplement parce qu'elle n'a pas eu d'enfant? Es-tu le Dieu qui donne les enfants? Chérie, ça suffit. Pourquoi tu ne la permettrais pas d'avoir ses propres enfants au moment voulu? Ça suffit. Arrête de lui dire n'importe quoi, s'il te plaît. Ma femme, tu n'as rien à craindre, je t'ai dit. Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est moi qui t'avais épousée. Écoute ce que je te dis, ne crains personne dans cette maison. Si elle te provoque, frappe-la. D'accord. C'est moi qui te donne de l'autorité de t'en charger de celle qui va te provoquer. Tu as compris? Oui, mon mari. Inutile. Maman, désolée pour tout ce qui vient de se passer. Mais je te conseille de prendre cette méchante, cette pute, cette
pétasse. La ramener chez ses parents. Je vais gonfler ton visage. Je vais te détruire. Tu n'as encore rien vu. Tu ne crois que je vais venir chez moi pour prendre mon mari. Tu n'as pas honte. Viens comprendre mon mari, non? N'importe quoi. Reste là-bas. Hein. Maman, c'est un homme. Je ne pense pas que c'est une femme. Elle m'a frappé comme si elle était un homme. Ma fille, n'aie peur de personne. Tu m'entends? Sache que je suis solidement derrière toi, ok? Ok, maman. Ici, c'est la maison de mon fils. J'ai le droit, moi aussi, dans cette maison. Je l'ai portée dans mon sein pendant 9 bonnes années. Qui est-elle? Ok, maman. Écoute-moi, Sandra. Oui, maman. Ne te laisse pas effrayer par qui que ce soit dans cette maison. D'accord, à maman. À la guerre comme à la guerre. Persévère. Bats-toi pour me donner des petits-enfants. D'accord, maman. Est-ce que tu m'entends? Tu n'importe quoi. Ebuka, reviens ici. Je vais persévérer. Rien ne va arriver. Oui, toi, reviens ici, nous allons nous battre. Reviens ici, toi, reviens, nous allons nous battre. Tu m'as giflé, c'est parce que je n'avais... Reviens ici, nous allons nous battre. Stupide femme, reviens ici. Maman? Maman, nous le savons bien que nous sommes chrétiens. Nous avons constaté que tu as amené une prostituée à notre frère pour l'épouser. Oui. Maman, d'ailleurs, tu nous as surpris. Oui. Ne peux-tu pas voir que cette fille s'habille comme une prostituée? Étonnant. Peux-tu fermer ta bouche? En quoi cela me concerne? Je ne suis pas du tout intéressée à son accoutrement. Écoutez, tout ce qui me préoccupe, c'est le background de sa famille. Dans la famille de cette fille, ils ont donné naissance au jument, au triplé et au quadruplé. De ce fait, je crois que elle va donner à mon fils Ebuka autant d'enfants qu'il faut. Ça, c'est tout ce qui me préoccupe pour l'instant. Maman, ce n'est pas normal. Oh. C'est vrai, maman, c'est vrai. Imbécile, zinzin. Au lieu d'aller encourager Ebuka pour qu'il me donne des jumeaux, tu viens ici faire du blabla. Tu n'importe quoi. Essaie encore de revenir ici, vous verrez. Des sottises. Toi encore? Qu'est-ce que tu attends exactement de moi? Sauve mon enfant, s'il te plaît. Sauve mon enfant. Sauve mon enfant. S'il te plaît, sauve mon enfant. Je suis vraiment confus. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle essaye de me révéler? Ma nourriture, les fruits de mes efforts, ta grand-mère te l'a donné. Allez.
J'ai cru que tu savais que Cheta était mariée. Elle est mariée avec l'un de mes avec qui elle avait l'habitude de coucher. Oui, d'ailleurs, tu es chanceux parce que tu n'avais pas fini par l'épouser. Sinon, ta vie allait être misérable. Tu dois voir la manière avec laquelle elle traite la fille de sa rivale. Elle est tellement maligne. Je n'ai jamais vu une personne comme elle. Je vous remercie toutes deux pour l'information. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, me montrer là où elle habite maintenant, s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Chitachi, Chitachi, tu es les kilos, les toupets, la témérité de renverser les riz sur ma petite fille adorée. Comment as-tu pu? Hein? Comment as-tu pu? Méchante fille, va te punir. Tu recevras une punition éternelle venant des dieux. Le karma va te frapper un jour. Dieu ne te laissera pas ici. Grand-mère, ne parle pas à ma mère de cette oh, façon. Oh, ma fille. Je n'aime pas ça, ne lui parle pas comme ça. Dis-le-lui. Dis-le-lui pour qu'elle comprenne. C'est ce que ta mère t'apprend. Écoute ce qu'elle dit. Hein? Je l'ai appris à défendre sa famille. Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Tu apprends de ta mère? C'est ici là où ils habitent. Oui, monsieur. C'est ici là où elle habite. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Mm-hmm. Vous avez bien fait. Dieu vous bénira toutes les deux. Donc, merci. Elle fait semblant de pleurer, je vais encore la frapper comme il faut. Ma petite va s'occuper d'elle. Bon après-midi, maman. Papa! Kaïma, qu'est-ce que tu es en train de foutre là? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Es-tu devenue folle? Ne sais-tu plus qui est ton père? Dégage de ma vue! Folle que tu es! Tu veux m'embarrasser ici ou quoi? Nous devons parler. Nous devons parler maintenant. Ne me tire pas comme ça. Cesse de me tirer comme ça. Mais qu'est-ce que je vois? Hey! On aura tout vu dans ces mondes, hein? Hey! Mais, ma fille, arrête. Je suis là. Hey Buka! Hey Buka! Hey Buka! Tu ne vivras jamais en paix. Et tu ne mettras jamais au monde un enfant. Parce que tu as fait mal à Cheta. Pour l'avoir blessé et pris en mariage une autre femme. Que l'on soit ainsi.
Je suis Ezemo. Cet œil qui voit au-delà de la mer Rouge, au-delà des rivières et au-delà de la forêt interdite. Tout ce que je dis doit toujours s'accomplir. Issei, Ezemo, mon bébé. C'est bien moi. Ezemo, mon amour. C'est bien moi. Ezemo, la force qui me sauve. C'est bien moi. C'est bien moi. Obioma. Ezemo, sugar bébé. Ezemo, mon amour. Ezemo, Ezemo. Obioma. Si tu ne disparais pas de ma vue maintenant, je te jure avec ma dernière énergie, je vais te tuer. Où est mon enfant? Es-tu ivre? Cheta, qui est-elle? Je crois que c'est ta fille. Pourquoi elle m'a embrassé et m'a appelé papa? Cheta, ne te joue pas de moi. Il y a quelques années, tu m'as dit que tu étais enceinte de moi. Je suis venu pour prendre mon enfant. Tu n'oseras pas me subir. Tu n'es pas venu ici pour m'embarrasser. Laisse-moi t'avertir. N'ose pas toucher la tigresse par sa queue. Disparais maintenant. Disparais pour ne plus jamais revenir. Va-t'en! Imbécile. Il ne changera pas. Il ne changera pas. Mais je ne peux pas me laisser faire. Je dois savoir où se trouve mon enfant. Je crois que cette fille, c'est la mienne. Caïman, je veux que tu saches que je suis ton père biologique. Tu es une fille spéciale pour moi. Et je te promets de t'aimer tous les jours. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, papa. Je t'aime. Merci. Ok. Kaïma. Oui, maman. Kaïma, viens manger. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Maman. Je fais un rêve. Il y a un homme qui m'a dit qu'il était mon père biologique, mais je ne l'ai jamais vu auparavant. Kaïma, est-ce que tu vas bien? Tu as la fièvre, je dois t'amener à l'hôpital. Ok, maman. Écoute-moi maintenant. C'est Callistus qui est ton père. Est-ce que tu m'entends? Tu n'as pas d'autre père à part lui, ok? C'est lui, maman. Ton père, okay? Allez, viens, on part manger. Viens, bébé. Kaïma, Tchoukou! Kaïma! Kaïma! Allez, allez, vous en, bande de sorcières! Kaïma! Où es-tu parti, Kaïma? Kaïma! Où étais-tu parti avec cet homme insensé? Maman, c'est l'homme que j'avais vu dans mon rêve. Je t'en avais parlé. Tu as vu quoi? Touche tes oreilles! Tu n'as rien vu! Tu m'as entendu? Tu n'as rien vu! N'ose plus jamais le répéter. Bado. Que je t'entende encore dire ça. Tu verras. Mmh.
Salut. Qui es-tu? C'est quoi ta mission ici? Qui es-tu et qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Je pose ma question, tu es en train de faire semblant comme si tu ne m'écoutais pas. Qui es-tu? Il est l'un de mes amis. Qui est en train de parler? C'est un ami à toi? C'est un ami à toi. Tu vas avec elle ou comme ça? Un ami. C'est bien où? Elle était ma petite amie. J'avais cessé avec elle à cause de ses mauvais caractères. Elle sortait avec beaucoup d'hommes. Elle me disait qu'elle portait ma grossesse, mais je ne la croyais pas. J'ai commencé à douter d'elle. J'ai commencé récemment à la suspecter. Et je crois que son enfant, c'est ma fille biologique. Tu veux parler de Kaïma? Son nom, c'est Kaïma. S'il te plaît, tu dois vraiment être sûr avant de déclarer l'enfant d'une autre personne. La petite fille que tu avais vue là-bas, je ne me plains pas de son comportement. C'est ma petite fille. Je l'aime beaucoup. Défendre toi aussi, non? Pourquoi tu ne la bats pas? Oh mon Dieu! Pourquoi tu ne la frappes pas? Tu as le droit de te défendre toi aussi. Maman, tu sais, non? Maman, tu sais que la femme de ton fils n'est pas une femme, c'est un homme. Ça va aller, hein? Mais mon dernier souffle de ma vie, j'ai frappé cette fille. C'est fini, ok. Je te garantis, maman. Maman, va l'appeler cette fois-ci, je vais le frapper. Hey! Oh mon Dieu! Maman, j'ai tout fait. Je ne peux plus rester là-bas. Si je continue, cette femme risque de me tuer un jour. Elle se bat comme un homme. Je doute même qu'elle soit une femme. Je suis fatiguée. Je te comprends. Tu peux t'en aller.
et je ne sais quoi te dire. J'en ai marre, moi aussi. Le pire est que mon fils l'appuie. Désolée pour ça. Je pense que je dois partir. Bye bye, maman. Seigneur, sauve mon fils. Ebuka, je le savais. Je l'ai su et j'ai dit que mon fils avait épousé un homme comme lui. Cette femme est un homme. Hein? La manière avec laquelle elle bat cette fille, c'est comme si elle était son enfant. Hé, hey! Chai, mes jumeaux sont en péril maintenant. Mes triplés, mes quadruples sont partis juste comme ça. Bon après-midi, maman. Maman, est-ce que tout va bien? Maman? Y a-t-il un problème? C'est toi le problème. Comment suis-je le problème? Pardon, je n'ai pas le temps pour tes problèmes. Est-ce que ma femme est là? Celle-là. Cet homme. Pour ton information, ta femme m'a battu moi et Sandra, noir sur blanc. Je me demande si cette fille est un homme. Je te l'avais dit. Hein? Non, maman. Ma femme, telle que je la connais, elle ne peut pas lever sa main sur toi. Mais à ce qui concerne cette inutile Sandra, je pense qu'elle va la prendre une leçon qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. Pour ton information, Sandra a pris ses jumeaux, ses triplés, ses quadruplés, tous ses enfants. Oh! Elle est rentrée avec eux, chez ses parents. C'est bien pour elle. Hein? Tu dis que c'est bon pour elle? C'est bon pour elle. Hé! Hey! Seigneur, cette fille a mis mon fils sous un charme. Mon fils est ensorcelé. Hé! Hey! Voici. Ça, c'est ma maison familiale. Ça, c'est ma maison. Les fétiches a été enterré ici. Ça, c'est l'endroit où elle a enterré les fétiches. S'il te plaît, appelle un pasteur pour sauver cette famille. Appelle un pasteur pour sauver cette famille. S'il te plaît, sauve ma famille. Sauve ma famille. Ils habitent ici. Oui, c'est ici. Elles habitent ici. Merci beaucoup de m'avoir amené jusqu'ici. Okay, vous deux, vous m'avez rendu un grand service. Dieu vous récompensera. Amen. Merci.
arrête de faire semblant de pleurer. Allez, ma fille, corrige-la. C'est ce que tu apprends de ta mère. Bon après-midi, maman. Papa! Que se passe-t-il? Pourquoi cette parcelle? C'est la même parcelle où Tchet habite avec son mari. Pourquoi elle me révèle encore la même parcelle? Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Je dois vraiment le découvrir. Je dois faire quelque chose à ce sujet. Tu m'as tellement causé beaucoup de peine. Hein? C'est quoi tout ceci? Les mieux serait que je te tue, que tu meurs une fois pour toutes. J'ai besoin de la paix dans ma maison. Faut que tu meurs. Tu hésiterais. Chizitere, mon bébé, tu es où? Viens. Oui, maman. Viens manger. Comment tu vas? Tu as faim, pas vrai? Très bien. Va à la maison, va prendre la cuillère. Tu viens manger avec moi. Vas-y. C'est fini pour toi aujourd'hui. Mm-hmm. Tu vas beaucoup l'aimer. Mm-hmm. C'est très bon. Mange. Mange, hein? J'arrive. Commence à manger. Vas-y, mange. J'arrive. Faut finir ta nourriture, hein? D'accord? On ne mange pas, Sori. Pourquoi veux-tu manger alors que je n'ai pas mangé? Donne-moi ça. Non, je refuse avec mon riz. Laisse-moi ma nourriture. Non, ne touche pas. Laisse-moi ma nourriture.
Je pense qu'il est en train d'essayer de te révéler quelque chose. Et je pense que tu dois vraiment prendre les choses entre tes mains. Et de toutes les façons, cette famille a besoin d'une sérieuse délivrance. Et nous avons vraiment besoin de beaucoup prier. Non, pasteur. Merci beaucoup pour ton aide. J'accepte tout ce que tu viens de dire. Oui. Pasteur, je terminerai définitivement dans cette parcelle. Oui, c'est important. Comme vraiment l'urgence s'impose. Ok, pasteur. Allons prier. D'accord. Digne es-tu, l'agneau des dieux. Digne es-tu, l'agneau. Nadaru Shabbataya. Rebaro Sherikabo Seketereya. Emerebo Shakataya Ribro Shantakereya. Undebro Sintarabo Shikereba Sentegoraya. Rebro Shataribo Sekeremosa. Underema Shatarebose. Voici l'homme de Dieu dont je vous avais parlé. Je crois qu'il va délivrer cette famille. Hey, mon fils, merci beaucoup. Merci, on y maman. Va, entrons dans la parcelle. Madame, écoute ceci. Il a très bien déclaré dans sa Bible que tout problème a une solution. Et aujourd'hui, Amen. C'est un jour Amen. De victoire. Amen, oui. Je vous en prie. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood, there is power mighty in the blood of Jesus Christ, there is power mighty in the blood. Brethren, mes frères et sœurs, si un homme de décider que trop, c'est trop. À l'occasion, je veux que nous teignions tout notre cœur avec rigueur. Jésus. Et je veux que nous puissions prier avec Seigneur, volonté Seigneur. Et rigueur. Élevons nos voix au Seigneur. Disons-lui que trop, c'est trop. Afin que l'œuvre des ténèbres, oh, parce Jésus. Que l'ennemi Amen. Est venu, Alléluia. Mais par la puissance de Dieu qui est Alléluia. En nous, mais par oh, la puissance Jésus. Et la gloire de Dieu qui est ici. Oh, Père, Seigneur, nous voulons te voir agir. Nous voulons te voir régner ici. Nous avons besoin de le sang, le sang, le sang de Dieu pour nous aider, pour bénir toute œuvre que cette famille par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, le feu que tout est ennemi ne puisse plus avoir vie dans cette famille, que tout est ennemi soit déraciné dans le nom puissant de Jésus. Père, nous implorons ton amour, nous implorons ta grâce, nous implorons ta compassion. À cause de l'œuvre de la croix, je déclare que cette famille est libre. Je déclare par le pouvoir qui m'a été conféré en tant que prophète de l'Église. Je crois que Père, qu'à travers ma parole, comme l'a fait le prophète Élie, je crois que Père, j'ai la capacité de démanteler tout pouvoir de l'ennemi dans cette famille. Que Seigneur, que seul toi, que tu règnes, que tu règnes, que tu sois élevé, que tu sois élevé dans le nom de Jésus. Que le soleil brille dans cette famille, que le soleil brille. Que ton nom soit le seul nom qui soit déclaré, qui soit élevé dans cette famille.
Dans le nom de Jésus, je prie et je déclare, je scelle cette parole par le sang de Jésus. Cette famille est délivrée. Merci Jésus. Rebababo, charibabo, shekerebabo. Santeremarebo, shekereya. Vas-y, confesse. Il n'y a pas de réponse méchant. Vas-y, parle, parle, parle. Mon puissant. Hey! Quoi? Hey! Ebuka, je suis enceinte. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis enceinte. Tu portes ton enfant. Et tu attends, c'est que j'accepte que cette bâtard que tu portes dans ton sein est mien? Quoi? Ferme ta bouche vite. Qui ne sait pas que tu couché avec beaucoup d'hommes dans le quartier? Quitte de chez moi. Quoi? J'ai dit, disparais vite de chez moi. Disparais vite de chez moi, prostituée que tu es. Quitte de chez moi vite. Stupide. Va-t'en, vite. Va-t'en vite de chez moi. Tu peux imaginer? Qu'elle porte ma grossesse, comment? Viens encore dans cette parcelle, tu verras comment je vais fracturer tes jambes. Une fille inutile. Ebuka. 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 Tu ne seras jamais en paix. Et tu n'auras jamais un enfant venant de toi. Pour avoir fait du mal à Cheta. Pour l'avoir abandonné. Et épouser une autre femme. Et qu'il en soit ainsi. Je suis Azemo. C'est elle qui voit au-delà la mer Rouge, au-delà des rivières et au-delà de la forêt maudite. Tout ce que je dis, finit toujours par s'accomplir quand je le prononce. Issé, Ezemo, mon bébé. C'est bien moi. Ezemo, mon amour. C'est bien moi. Ezemo, la force qui me sauve. C'est bien moi. Moi. Obioma. Ezé, bébé. Obioma. Ezé, Sugasuga. Ezé, sexy boy. Obioma. J'ai dit qu'il était la fille de Callistus. C'était pour que Callistus puisse m'épouser. Désolée. Non. J'ai tué Béré. Prends ça. Garde ça. Assieds-toi dessus. À tout moment où elle voudra accoucher, elle va suffoquer et mourir avec son nouveau-né. Mère! Mère!
Oui, je l'ai tué. Je l'ai tué. Oh, c'est moi qui l'ai tué. Je voulais que Calistus puisse me revenir. Oui, je l'ai tué. J'ai aussi osé tuer cette fille. J'ai empoisonné la nourriture que je lui avais donnée. Mais malheureusement, c'était ma fille qui était venue manger. Oui, j'ai tenté de la tuer. Oui. Toi, cette fille, tu m'as causé autant de peine dans cette maison. C'est quoi tout ça? Je crois qu'il est temps que je mette fin à toutes ces choses. Je dois vivre en paix dans ma maison, quand même. C'est quoi? Tu es itéré. Viens, viens manger. Oui, maman. Tu as faim, n'est-ce pas? Ça va? Tu as faim, hein? Va à la maison, trouve-toi une cuillère. Tu viens manger avec moi. Vite, dépêche-toi. C'est ta faim aujourd'hui. Tu vas beaucoup l'aimer. C'est très bon. D'accord, commence déjà à manger. J'arrive. J'arrive, hein? Mange. Rassure-toi de finir toute la nourriture, hein? Ok. Donne-moi ma nourriture. Non. Ne me touche pas. Donne-moi ma nourriture. Donne-moi ma nourriture. C'est quoi ça? Je ne te donne pas. Arrête de toucher ainsi. Donne-moi ma nourriture. N'est pas naturel, ce n'est pas du tout vrai. Je suis désolée, pardonnez-moi. Prends ça. Prends ça. Et ça. Une fois à la maison, mets ça dans la nourriture. Et mélange ça avec cette substance. Prépare un bon repas et donne-le à Calistus. Et tout ce que tu auras à dire, ce qu'il fera, tu vas le contrôler. À partir de maintenant. Oui. Et c'est moi. Je suis le roi. Et c'est moi. C'est bien moi. L'homme le plus fort. C'est bien moi. Aisez-vous. C'est bien moi. Ma force n'est mon lave. Aisez-vous. Aisez-vous. Oh, bien moi. Aisez-vous. Aisez-vous. Aisez-vous, mon amour. Oui. Je veux exactement ce que tu m'as dit. En nature. Je t'attends. Anne Kouare, mais. Oh Seigneur Jésus. Je suis en train de tuer ma belle-mère. Oui. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Oui, merci Jésus. Place ta perruque. Place ta perruque.
Le sang de Jésus. Place ta perruque. Le sang de Jésus. Oui, oui. Place le ta perruque. Le sang de Jésus. Le sang. Le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ça, c'est le Seigneur. Le salaire du péché n'est rien d'autre que la mort. Tout le monde ça, la perruque. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Vos perruques. Tu sais comment frapper. Les tout gens. Le monde sa perruque. Elle mérite ce qui lui est arrivé. Placez vos elle mérite oui. De la plus que ça. Tout le monde sa perruque. Merci Jésus que cette famille soit délivrée de l'emprise du diable. Vous êtes libre. Il est même dit que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Merci Seigneur. Pendant tout ce temps, elle était dans le mal. Elle a tué ma propre fille. Elle a tué ma fille. Je vois comment elle m'aimait. Comment est-ce que je peux la voir encore? The blood of Jesus set me free from sin and sorrow. The blood of Jesus set me free from sin and sorrow. The blood of Jesus set us free from sin and sorrow. The blood of Jesus set us free. Bébé. Allez, prends ton jus, non? Et prends ton jus. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est ta grand-mère qui l'a fait pour toi. Oh. Hein? Je t'aurais demandé de prendre ça, mais et si tu osais, tu vas devenir folle. Si tu prends ça vraiment, tu vas commencer à faire des choses. Vraiment. Et prends plaisir, ma fille. Tu veux manger les toki? Hein? Oh, toi aussi, tu veux manger le poulet, hein? Regarde, regarde quand même. Regardez-la. Prends, ma chérie. Doucement. Et si tu as besoin du jus, maman va te donner. Mais si tu veux cette boisson, je t'en donnerai jamais. Parce que cette boisson ici, et si je te la donne, ce fumier va te perdre, tu vas devenir folle. Hein, ma chérie, hein? Regarde, je t'appelais Pino Pino Wong. Parce que c'est le nom par lequel j'appelais ta maman. J'avais l'habitude d'appeler ta mère Pino Pino Wong. Oui. Et quand je te regarde, je vois la parfaite photographie de ta maman. Tu es comme elle, hein? C'est ça. Pino Pino Wong. Et ma fille, tu veux que je t'amène à Dubaï? Hein? Tu veux aller à Dubaï? Ah, tu veux aller en Amérique? Et tu acceptes comme si ton père avait de l'argent pour t'amener là-bas. Ne t'en fais pas. Ce que je sais, c'est que tu iras très loin. Tu iras à des endroits. Oui, yo. Hein? Tu iras à la Banque mondiale. Hein? Une mogomoua. Tu iras très loin. Tu iras d'accord. Très loin. Souris. Oh, qu'on a un nom. Un canon. Ma bille là. Hein? Ok. Ouan. Belle fille. Maman. La mère de mes petits enfants. Maman. Et c'est pour moi. Maman. Choma, s'il te plaît. Je voulais profiter de cette opportunité pour présenter mes excuses. Je suis désolée pour tout le mal que j'ai été causé jusqu'ici. Ok, pardonne-moi. Oui, je suis désolée. Et tu sais, toute belle mère se préoccupe toujours de porter ses petits-enfants. Oui, maman. Je suis désolée, hein? Maman, premièrement, je suis heureux parce que tu t'es rendu compte de tes erreurs. Et deuxièmement, je remercie Dieu comme c'est connu à nous tous que c'était Cheta qui a tué ma fille. Oui, elle a utilisé son fétiche diabolique pour tuer ma fille. Mais je remercie Dieu aujourd'hui parce que tout ce qu'elle a fait est révélé. Oui, c'est aujourd'hui, ça. Ma femme porte ma grossesse. Oui. Et je crois que bientôt, elle va donner naissance parce que mon bébé est en train de bouger. Oui. Et vous savez quoi? Il sera un garçon. Il doit devenir un footballeur. Et Bouka Junior. C'est ça. Oui, ce n'est pas comme cette prostituée qu'elle a amenée ici. Hein? Est-ce qu'elle peut donner naissance à un garçon comme ça? Non, voilà, je me demande ici.
C'est déjà fini avec elle. Cette fille prostituée? J'ai confiance en ma femme. Maman, ne commence pas. Maman, permets-moi d'abord de dire ce que je vais dire. Vraiment, je savais que ma femme allait se charger de cette fille-là. J'avais dit à ma femme de n'avoir peur de personne. N'aie pas peur. Et personne te domine. Et ma femme a fait exactement ce que je lui avais dit. Elle a frappé durement la fille et la fille a fui. Elle devrait rester et voir ce que ma femme devait lui faire. Maman. Je suis très contente. Oui, oh. Très, très contente. Je suis très, très émue d'avoir une belle fille qui est aussi forte comme moi. Ah. Personne ne s'entraîne cette personne pour faire du n'importe quoi. Elle s'en chargera des... Je t'avais dit que Sandra, c'est une fille prostituée, ce n'est pas ma femme. Regarde ce qu'on a fait d'elle. On a appelé Sandra, on l'a donné des gifles terribles. Je ne sais pas comment tu avais amené Sandra ici. Et tu m'avais dit qu'elle va donner naissance à 3 enfants au même moment. Nous sommes en train de célébrer anticipativement la naissance de notre nouveau bébé. Arrêtez! Nous devons fêter parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de notre victoire. Passez, passez vite! Kali, Obé, Cheta, Cheta la roulage. Tout le monde met sa purée. Allez, passez! Vite, vite! Ha! Hé! Ha! Calistus! 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 Hé! Calistus! 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 So! Thank you.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.